Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo d'une série de vidéos qui sera intitulée Quel sport choisir? Alors je pense que l'intitulé de cette série de vidéos est assez explicite. Il va s'agir d'aider les personnes qui souhaitent commencer une activité sportive mais qui ne savent pas quoi faire, eh bien à avoir des pistes pour savoir vers quoi aller et quoi essayer. Alors je vous conseillerais toujours bien évidemment de tester parce que c'est en testant eh bien, qu'on va tout simplement savoir si on est fait pour ça, si ça nous convient ou si ça ne nous convient pas. Mais le fait de regarder cette série de vidéos eh bien, vous permettra éventuellement d'avoir une première idée. D'ailleurs, c'est souvent la première question qu'on se pose quand on veut démarrer une activité sportive, c'est bah, qu'est-ce que je fais? Et jusqu'à maintenant, bah, je n'ai pas trouvé de série de vidéos qui se proposaient de faire un petit résumé de plusieurs activités sportives pour aider un petit peu ces personnes-là. On va dire qu'on trouve des vidéos sur les différents sports. Chacun va prêcher un petit peu sa paroisse. Hein. Par exemple, ceux qui font de la course à pied vont prêcher pour la course à pied, etc. Mais je n'ai pas vu sur YouTube de série de vidéos donc explicatives avec différents sports pour aider les gens à s'y retrouver tout simplement. Donc comme vous le savez certainement, je suis coach sportif et je suis surtout spécialisé dans tout ce qui est fitness, mais il me semblait important de redéfinir réellement ce qu'est le fitness. Alors c'est un concept qui peut justement paraître un petit peu compliqué à définir puisqu'on a l'impression que chacun a un petit peu sa propre définition. Et le problème, c'est que les mots ont un sens. Hein. Normalement, si chacun comprend un mot différemment, ben on s'y retrouve plus et ça devient difficile de communiquer. Le propre des mots, c'est d'avoir un sens bien défini. Donc je voulais qu'on redéfinisse un petit peu ce que c'est vraiment que la notion de fitness. Parce que pour moi, ce n'est pas vraiment simplement un sport, c'est une hygiène de vie et c'est même une philosophie. Alors, si ça ne vous dérange pas, je vais juste prendre quelques petites notes parce que je vais citer Wikipédia, hein, le fameux dictionnaire en ligne. Si je tape fitness sur Wikipédia, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, que c'est l'abréviation de physical fitness qui veut dire forme physique. Si j'utilise l'outil de Google Traduction pour traduire de l'anglais au français, on va me donner plusieurs définitions intéressantes. La première, c'est aptitude. La deuxième, c'est forme. Et la troisième, c'est santé. Et lorsque je retourne sur Wikipédia, qu'est-ce qu'on me dit dans le descriptif? Ensemble d'activités physiques permettant aux pratiquants d'améliorer sa condition physique et son hygiène de vie dans un souci de bien-être. Et c'est vraiment ça le fitness. Beaucoup de gens s'imaginent que le fitness, c'est donc bien sûr l'aspect nutrition, etc. Mais pour ce qui est de l'entraînement, c'est aller à la salle de muscu, faire des exos de muscu, et ensuite pour tout ce qui est cardio, c'est soit suivre des cours collectifs aérobiques, soit faire exclusivement du vélo, du pédalo ou du vélo elliptique en salle de musculation. Alors bien sûr, ça fait partie du fitness, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment une hygiène de vie. C'est vouloir améliorer sa santé, son physique, son hygiène de vie, sa forme, etc. Et ça passe bien par un ensemble d'exercices différents. Alors pour moi, la musculation sera vraiment nécessaire dans une optique de fitness. Ça fait vraiment partie intégrante de ce style de vie. Mais pour tout ce qui est de l'aspect cardio, vous n'êtes pas forcément obligé de faire du vélo elliptique en salle. Vous pouvez choisir un sport qui va être cardio, mais qui sera très différent et qui va s'intégrer à ce mode de vie fitness et vous serez bien un pratiquant de fitness. Alors je voulais aujourd'hui vous parler justement d'un sport qui va beaucoup faire travailler votre cardio, mais pas uniquement, et la série de vidéos qui sera sur le sujet, donc vous parlera de nombreux sports différents qui s'intégreront à ce changement d'hygiène de vie, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie d'inciter les gens à faire. Hein, bien d'améliorer tout simplement cette hygiène de vie, d'être plus en forme, etc., etc. Alors, le premier sport pour commencer cette série, eh bien, c'est un sport que j'ai moi-même pratiqué pendant plusieurs années, c'est le karaté. Alors, le karaté, qu'est-ce que c'est? C'est un sport et un art martial.
Alors, je sais qu'il y a déjà des personnes qui éventuellement pourraient tiquer, déjà d'emblée, hein, ça commence bien, parce que selon certains puristes, je dis bien certains, hein, parce qu'il y a d'autres puristes qui seront tout à fait d'accord avec moi, mais il y a des personnes qui disent: Oh non, c'est pas un sport, c'est un art martial, tu comprends, c'est pas pareil, ouh là là, attention, ne mélange pas sport et art martial. Pour moi, c'est les deux, tout simplement. Pour moi, les arts martiaux, c'est aussi du sport. D'ailleurs, il suffit de le pratiquer pour se rendre compte que c'est vraiment très sportif. Mais c'est vrai que l'art martial a une philosophie qui est supérieure, et bien sûr que tous les sports ne sont pas des arts martiaux, mais pour moi, bah, tous les arts martiaux quasiment sont des sports. Pour moi, c'est un fait. Alors, le karaté, d'où est-ce que ça vient? Alors, on va souvent nous dire que c'est d'origine japonaise. Alors, c'est partiellement vrai, disons que l'origine est plutôt okinawaïenne. Donc Okinawa, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une île au sud de Japon qui faisait partie d'un archipel qui était indépendant, qui était voilà, un état différent de celui du Japon au moment de la fondation du karaté. Cette île a été plus tard annexée par le Japon. Et bien sûr, l'île d'Okinawa fait maintenant partie du Japon, mais au moment de la création de l'art martial, eh bien, elle appartenait à un état différent. Donc voilà, ça c'est pour la partie historique. Comme je le disais tout à l'heure, le karaté est un art martial. Alors je vais définir un petit peu ce qu'est un art martial. C'est une école d'enseignement de techniques de combat, d'abord, avec une dimension spirituelle et morale et un enseignement aussi lié à la maîtrise de soi. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il s'agit certes de combat, mais c'est pas du combat n'importe comment. C'est quelque chose qui a vraiment cette dimension spirituelle qui est indissociable. Alors c'est d'ailleurs pour ça que tout est très codifié, hein, au karaté. Il y a donc tout ce qu'on appelle ben, l'aspect salut. Bien sûr, donc il y a le salut au moment d'entrer sur les tatamis, il y a le salut au moment de sortir des tatamis, il y a le salut de son partenaire, qui est bien un partenaire au moment de l'entraînement et non pas un adversaire, que l'on va saluer donc avant chaque combat, avant chaque exercice même. Et il y a également un salut au début de la séance et un salut à la fin de la séance. Alors ça dépend des profs, hein. Il y en a qui sont, disons, plus respectueux du protocole que d'autres. Il y en a qui vont expédier un petit peu plus rapidement le cérémonial et il y en a d'autres qui vont accorder une importance plus grande à ce cérémonial-là et qui vont faire le salut du début et de la fin en version complète. Alors, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, on a le portrait du fondateur de l'école de karaté. Alors, l'école au sens le style de karaté, hein, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors pour mon style à moi, c'était le maître Ginshin Funakoshi. Donc il y a son portrait. Derrière, dos au portrait, il y a le professeur, le ou les professeurs. Il peut y en avoir deux, par exemple, si le club est un petit peu grand, ça permet de faciliter l'encadrement. En face, il y a donc tous les élèves non ceinture noire, classés par grade. Et entre les deux, sur l'un des deux côtés, il y a les élèves ceinture noire. Alors, en règle générale, on a l'élève non ceinture noire le plus gradé qui va commander le salut. Alors, au départ, on va saluer donc le fondateur de l'école, du style de karaté, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, on va saluer le ou les professeurs. Et ensuite, il y a un salut collectif pour saluer, disons, tous les partenaires avec lesquels on va travailler, puisque c'est en grande partie grâce à eux qu'on progresse. Il y a également ce qu'on appelle le mokutsu. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, bah, c'est un concept qui fait que au début, eh bien, on va se couper du monde extérieur pour se concentrer sur ce que l'on va faire durant la séance. Voilà, on entre dans un apprentissage martial, on se coupe des contrariétés liées au monde extérieur. Et à la fin, eh bien, lorsque l'on le refait, eh bien, il y a un retour au calme, on sort de la séance et on revient, entre guillemets, un petit peu à la vie
profane, si je puis dire, pour simplifier, bien sûr. Donc pourquoi tout ce cérémonial? Eh bien, tout simplement pour la dimension de respect, la dimension spirituelle. Alors bien sûr, si vous faites du karaté, on ne va pas vous obliger à devenir bouddhiste ou je ne sais quoi. Ça reste quelque chose de laïque, hein. Vous pouvez très bien être athée, être chrétien, musulman ou autre, et pratiquer du karaté, hein. C'est juste qu'il y a un héritage plus ou moins religieux, on pourrait dire, mais qui va être adapté à la discipline sportive, qui va être faite de manière laïque, mais qui va participer à tout cet aspect mental, conscience, oui, spirituelle aussi, on peut le dire, et de véhiculer toutes ces valeurs de respect. Alors, il y a aussi toute une dimension hiérarchique, hein, avec les différents grades. D'ailleurs, les grades, moi, je trouve ça vraiment une très bonne idée. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une véritable récompense, ça motive, ça donne envie de progresser, et on a une récompense assez rapide. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, il y avait simplement deux grades. Hein, c'était ceinture noire pour le professeur, ceinture blanche pour les élèves, et puis il n'y avait pas d'intermédiaire. Donc plus tard, il y a eu la ceinture marron au milieu. Et ensuite, quand le sport s'est occidentalisé, on va dire, eh bien, on a rajouté une multitude de grades. Donc dans l'ordre, c'est donc ceinture blanche, jaune, orange, verte, bleu, marron et noir. Une fois que vous êtes à la ceinture noire, il y a aussi ce qu'on appelle les Dan. Donc quand vous passez ceinture noire, vous êtes premier Dan. Ensuite, il y a 2, 3, 4, 5e Dan. Et disons qu'au 5e Dan, ça va s'arrêter là pour tout ce qui est des compétences en termes de karaté. Et du 5e au 10e, parce que ça va jusqu'à 10, on va être là vraiment sur des grades honorifiques. Donc de personnes aussi qui auront une très longue ancienneté pardon, dans le karaté, qui auront œuvré éventuellement pour le karaté, qui auront écrit un mémoire, parce que je crois qu'il y a un mémoire hein, pour passer 6 et 7e dan, etc., etc. Et donc disons que les 10e dan sont vraiment très rares. Et d'ailleurs, pour être 10e dan, il faut même avoir fondé sa propre école de karaté. Donc j'espère que je me fais bien comprendre, ça va jusqu'au 5e dan pour ce qui est des compétences techniques. Et ensuite, il y a l'aspect honorifique pour tout ce qu'on va avoir fait pour le karaté par exemple. C'est un peu comme la différence dans l'armée entre général 5 étoiles qui est le maximum et ensuite le statut de maréchal de France. Je fais drôle de comparaison, mais c'est un petit peu ça. Alors, le fait qu'il y ait une multitude de grades va permettre, par exemple, à l'élève donc, qui vient d'arriver, de pouvoir passer ceinture jaune, s'il travaille bien, en à peu près 3 mois. Et je trouve ça assez gratifiant, puisque, bon, en 3 mois, on a le temps d'apprendre beaucoup de choses, mais c'est quand même relativement court. Eh bien, au bout de 3 mois, on peut déjà avoir son premier grade. Il n'y a pas une déconnexion entre la récompense et l'effort, au contraire, il y a vraiment une connexion et on va étape par étape, petit à petit, vers la ceinture noire et je trouve ça très intéressant. Alors, dans cet aspect motivationnel, si je puis dire, on a aussi rajouté des grades intermédiaires pour les enfants. Voilà pourquoi, parce que le karaté permet de commencer très jeune. Et les enfants progressent forcément un petit peu moins vite. Hein, voilà. Donc, on a créé des grades intermédiaires. Donc, entre la ceinture blanche et la jaune, il y a la ceinture blanche-jaune. Entre la jaune et l'orange, il va y avoir la jaune-orange, etc. Et on a encore créé d'autres subdivisions pour les enfants avec des barrettes. Donc, 1, 2, 3 barrettes. Et après, je ne sais plus si c'est à la 4e ou la 5e. On va passer à la ceinture au-dessus. Donc c'est très bien parce que moi, quand j'avais commencé le karaté, j'avais un petit peu des problèmes de coordination. Et donc, j'avais pas eu mon premier grade. Et pourtant, j'avais quand même eu quelques barrettes parce que voilà, j'avais quand même progressé et j'avais quand même déjà eu ma récompense. Et ça, c'est vraiment très très bien aussi pour intéresser les gens et là, en l'occurrence, les enfants.
Donc la ceinture noire, c'est un stade très important, mais contrairement à ce que beaucoup s'imaginent, eh bien, c'est pas une finalité en soi du tout, c'est plutôt un stade. C'est vous devenez, disons, un karatéka un petit peu plus expert. En fait, la ceinture noire, c'est la validation du fait que vous maîtrisez très bien les bases du karaté. Et ensuite, vous passez au niveau supérieur avec les danes, donc c'est beaucoup plus long. Puisqu'en théorie, pour celui qui travaille très très bien, on peut passer de la ceinture blanche à la ceinture noire en 3 ans. Il faut quand même être très régulier. On va dire que la moyenne, ça va plutôt être 5 ans, voire plus. Et si c'est plus, il n'y a aucun problème. Par contre, donc pour passer du premier dan au deuxième, il faut au minimum 2 ans de pratique. Et il y a un passage de grade à chaque fois, bien évidemment. Pour passer du deuxième au troisième, il faut 3 ans supplémentaires, etc. Et donc, ça prend du temps et ça construit vraiment eh bien, le karatéka. Alors, entrons à présent un petit peu plus en détail dans le descriptif de ce qu'est le karaté. Alors, on parle souvent de karaté-do. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est du japonais, mais on peut traduire ça par la voie de la main vide. Et pour moi, c'est très parlant, tout simplement parce qu'on va être désarmé, mais on va faire de nos mains une arme, et une arme de défense, bien sûr, puisque la philosophie de cet art martial, c'est de se défendre et non pas d'attaquer. Disons que l'attaque, elle va venir après. C'est-à-dire qu'on va riposter à une attaque et ensuite on va lancer une attaque, mais qui elle-même ne sera qu'une réponse à une première attaque. On ne va jamais apprendre à agresser les gens dans la rue, fort heureusement. D'ailleurs, petite parenthèse, il faut aussi faire très très attention avec tout l'aspect légitime défense. Parce que si vous êtes en France, la loi sur la légitime défense est plus qu'encadrée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et alors c'est à vérifier, peut-être que ça a évolué parce qu'on nous sort de nouvelles lois tous les 4 matins. Donc faudrait vérifier ce qu'il en est aujourd'hui. Mais je sais que, en tout cas, au moins jusqu'à une période assez récente, eh bien, le fait de maîtriser un art martial était considéré comme une arme. Donc en gros, si vous vous faites agresser par quelqu'un et que vous répondez avec une technique de karaté et qu'on juge la réponse disproportionnée, eh bien le fait que vous maîtrisez le karaté sera une circonstance aggravante. Donc faites très attention, surtout en plus qu'en France, dans ce genre de situation-là, quand vous vous faites agresser et que vous vous défendez, c'est toujours vous qui aurez tort et l'agresseur qui sera la victime. Alors, il y a différents styles de karaté. Donc, moi, mon style, c'était le Shotokan. Donc, les styles, qu'est-ce que c'est? C'est aussi ce que j'appelle les écoles, mais c'est école avec un grand E. C'est qu'il y a plusieurs variantes. Disons que dans le Shotokan, par exemple, les positions seront plus ancrées, plus basses, ce qui ne sera pas forcément le cas dans d'autres styles que je connais moins. Je sais qu'il y a le Shitoryu, le Wadoryu, par exemple. Bon, voilà, moi, c'était le Shotokan. C'est le style le plus répandu et le plus pratiqué. Donc c'est aussi plus pratique de trouver un club. Alors dans le karaté, il y a un aspect technique, bien évidemment. On va apprendre des techniques de défense, des techniques de contre-attaque, etc. Et il y a aussi un gros aspect sportif. Alors, on va commencer par l'aspect technique. Donc il y a plusieurs pratiques, on va dire. Donc ce qu'on appelle kion, kata et kumite. Le kion, c'est quoi? C'est répéter des gestes techniques montrés par le professeur en ligne. On va tout simplement s'entraîner à faire les mouvements. Si on nous montre un mouvement de coup de pied, par exemple, maegeri, pour ceux qui connaissent, eh bien on va faire maegeri, 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 etc. Et à force de le faire, eh bien on va le retenir. Alors je vous rassure, on ne va pas faire pendant 1h30 le même coup de pied, mais disons qu'il va y avoir ces enchaînements-là qui seront quand même présents à tous les cours pour les maîtriser, puisque bah, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en répétant les mêmes gestes qu'on finit par les maîtriser. Et voilà, les techniques demandent de la répétition, parce que ce sont des mouvements qui ne seront pas forcément naturels, et il faut donc apprendre à son cerveau à coordonner chaque muscle de la bonne façon pour effectuer le bon mouvement, et c'est en ayant ensuite les bonnes techniques que l'on va pouvoir se défendre de la meilleure manière, évidemment.
Ensuite, il y a les katas. Alors les katas, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme une chorégraphie, si vous voulez, dans laquelle on va simuler un combat imaginaire. Donc les katas ont différents noms, hein. Par exemple, le premier, ça va être Heian Shodan. Bah, dans Heian Shodan, voilà, on commence Gedan Barai, Oitsuki, et donc c'est toujours pareil. Et donc on apprend en quelque sorte cette chorégraphie et elle nous permet de retenir les mouvements en les mettant en scène entre guillemets pour simuler un combat. Et ensuite plus tard lorsqu'il s'agira de passer la ceinture noire, donc il y aura ce qu'on appelle les bunkai. Donc ça c'est l'interprétation de chaque kata où on va expliquer au jury comment tel et tel mouvement peut être utilisé en situation réelle. Et ça c'est pour la ceinture noire, tout ce qui est bunkai. Donc il y a la partie ensuite kumite. Ben, le kumite, qu'est-ce que c'est? C'est le combat face à une autre personne. Donc il y en a plusieurs types. Hein. Il va y avoir des combats un petit peu plus souples, des combats dans lesquels on va simuler un petit peu plus l'aspect compétition. Voilà. Et évidemment, en faisant ça, vous allez entraîner bien sûr votre technique. Et puis l'aspect sportif hein, qui est lié. Alors d'ailleurs, il y a certains clubs qui proposent, lorsque par exemple il va y avoir, imaginons deux cours par semaine, il va y avoir peut-être un cours plus axé sur la technique, un cours plus axé sur le sport. Il peut y avoir aussi un mix à chaque fois avec aucune prédominance d'une des deux composantes. Ça dépendra vraiment de votre club. Alors que va vous apporter le karaté? Eh bien, tous les aspects moraux dont on a parlé et qui sont liés à la pratique des arts martiaux, mais aussi une augmentation, une meilleure coordination, une plus grande agilité, plus d'équilibre, plus de vitesse, plus d'endurance, plus de combativité, plus de souplesse, une dépense calorique et donc éventuellement une perte de poids, donc plus de forme, donc plus de souffle. Il y a aussi bon, tout l'aspect esprit de camaraderie, etc. Donc les avantages sont vraiment énormes. C'est un sport très complet et c'est pour ça que je le recommande à beaucoup de personnes et c'est aussi pour ça que je l'ai pratiqué. Et il y a une énorme différence entre le moment où j'ai commencé et le moment où j'ai arrêté, tout simplement parce que quand j'ai commencé, j'étais encore nul en sport, j'étais le dernier choisi dans les équipes au sport collectif à l'école. Et j'avais du mal à faire deux tours de terrain en trottinant. Et à la fin, ça avait vraiment complètement changé. Alors, petite mise en garde tout de même, il va y avoir une grosse dépense d'énergie dans les combats. Alors, il faut savoir que durant un combat, on va très souvent, même quasiment tout le temps, c'est la règle sautiller. Alors, pourquoi est-ce qu'on sautille? Tout simplement parce que ça va permettre un meilleur transfert d'énergie et ça va permettre une très grande rapidité lorsqu'on va vouloir rentrer dans la garde de son partenaire ou lorsqu'on va vouloir éviter que notre partenaire puisse nous porter un coup. Donc on va toujours être dans ce sautillement qui va donc permettre une rapidité bien plus importante, mais qui va vous demander beaucoup d'énergie, puisque déjà le sautillement lui-même fatigue. Et quand en plus on donne des coups de pied, qu'on repart rapidement pour pas être touché, je peux vous garantir que ça dépense beaucoup d'énergie. Alors c'est pour ça que si vraiment vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps, attention quand même, parce que c'est un peu l'inconvénient toujours de ces sports collectifs là. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'un certificat médical. Les certificats médicaux sont donnés très facilement. Je peux même vous dire qu'il y a même des médecins qui vous examinent à peine. Ils ne vous font même pas faire des flexions et ils vous font remplir le certificat médical, donc en fait, qui n'a aucune valeur. Mais bon, comme c'est officiel, ça fait bien. En fait, c'est juste une histoire de juridique. Hein. Mais des fois, ils sont donnés n'importe comment, malheureusement. Il faut bien dire ce qui est. Et donc voilà, il y a les certificats médicaux, mais vous allez avoir dans le même cours des gens qui vont faire du sport intensif depuis des années, qui vont avoir une condition physique vraiment très très bonne, et des débutants qui n'ont pas fait de sport depuis 10 ans, et ils vont se retrouver dans le même cours. Donc ça peut poser un petit problème,
Parce que si les personnes qui sont un peu à la traîne essayent à tout prix de suivre la cadence, eh ben, ça peut être un petit peu violent quand même au niveau cardiaque. C'est pour ça que moi, je recommande, si une personne voilà, n'a pas fait quelque chose de cardio depuis longtemps, bah, de commencer par s'entraîner à courir, par petites foulées, faire son jogging, son running, voilà, de manière modérée avant pour s'entraîner un petit peu. Alors après, ça dépend des profs, ça dépend d'énormément de choses, l'intensité des séances, des fois c'est le jour et la nuit entre différents professeurs. Et ça, je peux vous le dire parce que j'ai eu à la fois des professeurs de 30 ans et un professeur de plus de 70 ans. Donc l'intensité varie énormément, ça dépend des clubs, donc c'est à voir, mais en tout cas, voilà, il faut le savoir, il y a cet aspect très physique dans la partie combat. Surtout que, bon, dans certains clubs, vous allez faire 10 minutes de combat à la fin de chaque séance, mais dans d'autres, ça va être beaucoup plus long, et c'est des combats qui durent à peu près 3 minutes. Si vous n'êtes pas habitué, c'est comme si vous aviez sprinté, hein, et si vous n'avez que 10 secondes de récupération, bah, c'est pas beaucoup. Donc voilà, il faut savoir ça. En plus, bon, les cours ont souvent lieu le soir, et moi, je me rappelle très bien, parce que j'avais une interruption dans le karaté, après je faisais plus que de la muscu et j'avais repris le karaté. Et en termes d'intensité, c'était quand même assez costaud. Et ben, ça me créait un peu une sorte de tension nerveuse et j'arrivais pas à dormir avant 1h30 du matin parce que il y avait un côté crispant, un côté. Et donc il faut le savoir. Alors il y a aussi une différence entre les gros clubs et les petits clubs, ben, tout simplement parce que des fois. Il y a une différence de suivi. Alors des fois, il y a des gros clubs qui vont avoir en proportion suffisamment de professeurs. Et là, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi les petits clubs qui sont très bien parce qu'il y a une dimension presque familiale qui est aussi assez sympathique. Ce que je reproche un peu à certains clubs, c'est de pousser des fois à la compétition. Pourquoi ? Bah parce que pour qu'un club soit reconnu et une bonne publicité, que le bouche à oreille fonctionne, eh bien, il lui faut de la visibilité. Pour avoir de la visibilité, il lui faut remporter des compétitions. Et pour remporter des compétitions, il faut des compétiteurs. Et des fois, il y a des clubs qui vont toujours vouloir vous inciter à y participer. Et moi, je me souviens, j'avais pas envie d'y participer. Donc, des fois, il y a des clubs qui vous mettent, entre guillemets, un peu la pression par rapport à ça. Donc, ça peut être un petit peu saoulant, voilà. Mais bon, c'est pas le cas de tous les clubs, fort heureusement. Et n'oubliez pas qu'il y a une variété incroyable de clubs différents. C'est comme avec les salles de muscu. Donc, les défauts que vous pourrez retrouver dans certains clubs ne se retrouveront pas dans d'autres, fort heureusement. Alors, il n'y a pas des clubs partout non plus. Disons que les salles de musculation, par exemple, se sont vraiment multipliés et partout en France il y en a, donc à moins voilà, d'être à la campagne, si vous n'êtes pas loin d'une agglomération, vous êtes quasiment certain qu'il y aura une salle de musculation. Avec les clubs de karaté, c'est pas toujours le cas. Il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de clubs de judo par exemple que de karaté. En plus, bah, vu qu'il y a différents styles, si vous avez fait précédemment du Shotokan, que vous déménagez et que c'est un autre style, ça va peut-être un petit peu vous gêner. Alors, ça restera du karaté, mais il y aura quand même des variantes un petit peu conséquentes parfois. Donc, ça peut un petit peu vous gêner. Donc, ça peut être un des inconvénients. Après, voilà, si vous vivez dans des grandes villes, vous n'aurez pas de problème, mais c'est quand même à prendre en considération. Vous allez aussi avoir un nombre limité de séances dans la semaine. À la salle, vous venez autant de fois que vous voulez. Dans un club, en plus, suivant sa taille, bah, il va y avoir en moyenne, par exemple, deux cours dans la semaine. Si, par exemple, voilà, vous avez vraiment envie de progresser rapidement, que vous avez, je sais pas, deux séances avec une un petit peu sportive, une un petit peu technique, et que vous voulez rajouter de la technique pour bien maîtriser les bases, eh bien, vous n'allez pas forcément pouvoir. Les clubs qui vous proposent 4-5 cours, un peu à la carte comme ça, en plus avec des horaires variables, bah, y en a très peu. Donc, il faudra vous adapter aux horaires, au nombre de cours qui sont disponibles. Vous n'allez pas être totalement libre. Donc, il faut vraiment y penser. Il faut aussi penser, aussi, par exemple, au fait que vous faites de la musculation avec. Et si vous faites de la musculation à côté, eh bien, ça peut un petit peu freiner votre progression. En tout cas, il faut en tenir compte puisque ça va jouer quand même sur votre dépense énergétique globale.
Si vous essayez de prendre du muscle et que vous faites beaucoup de séances de karaté intensif derrière, bah attention, bien sûr qu'on peut être polyvalent, mais vous allez difficilement pouvoir exceller dans les deux. Et en plus, pour ceux qui ont une masse musculaire importante, en karaté, ça ne va pas forcément être un avantage. Dans le meilleur des cas, ça ne sera ni un avantage ni un inconvénient. Dans le pire des cas, ce sera un inconvénient. Moi, je pense qu'une masse musculaire importante est plus avantageuse au judo qu'au karaté, par exemple. Au niveau des âges, donc ce qui est bien, c'est un peu comme la musculation, on peut commencer à n'importe quel âge. Donc ça, c'est vraiment le point positif. Bah, après, il y aura l'aspect physique dont je vous ai parlé juste avant, dont il faudra tenir compte. Mais on peut commencer sur le tard sans problème. Il y a plusieurs sports comme ça. Donc c'est l'un des avantages. Après, il y a tout ce qui est tarif. En général, c'est pas très cher. Après, voilà, ça dépend des infrastructures des clubs. Ça dépend aussi du professeur que vous avez. Si c'est un haut gradé, bah, ce sera souvent un petit peu plus cher forcément, puisque vous aurez des cours de très grande qualité. Donc il y a aussi une grosse variabilité de ce point de vue-là. Alors voilà, je pense vous avoir expliqué un petit peu globalement ce qu'était le karaté, ce que ça pouvait vous apporter. Alors il y a bien plus de points positifs que de points négatifs, hein, bien évidemment. Voilà, moi ça m'a vraiment apporté un changement de vie, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, au départ j'étais pas du tout sportif et je suis vraiment devenu sportif grâce à ça. J'ai gagné en coordination, j'ai gagné en souffle, j'ai perdu du poids, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc voilà, c'est pour vous si vous aimez ça, si vous aimez aussi l'aspect un petit peu self-défense, si vous aimez les notions de valeurs qui sont transmises par les arts martiaux, ça sera vraiment fait pour vous. Si par contre, eh bien, vous n'êtes ni pour la self-défense, ni pour tout ce qui est aspect combat, que la technique, vous trouvez ça un petit peu saoulant et que vous n'aimez pas le cérémonial, bah, ça ne sera pas pour vous, donc c'est vraiment à vous de voir. Mais de toute façon, je vous invite à tester. La plupart des clubs proposent des séances d'essai. Et ça permet un petit peu de se rendre compte de tout cela. Alors bien sûr, quand on est débutant, on fait beaucoup de techniques. Ça peut paraître rébarbatif pour certaines personnes, mais disons qu'une fois que c'est ancré, on peut passer à ce qui va être un petit peu plus intéressant en mettant en pratique. Mais la technique, ça va être vraiment quelque chose d'important. Voilà. Donc j'espère avoir fait un descriptif, si ce n'est exhaustif, en tout cas assez complet. S'il y a des choses que j'ai oublié de dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions supplémentaires, eh bien, je me ferai une joie d'y répondre. Avant de clore cette vidéo, vous avez peut-être remarqué que je portais ce t-shirt, fitness t-shirt. Donc, eh bien, c'est une marque de vêtements que j'ai créée, donc, qui propose des t-shirts en rapport avec le monde du fitness et de la musculation. Donc, ce sont des t-shirts normaux, on va dire, dans les matériaux. Ce ne sont pas des t-shirts de sport étudiés par rapport à la transpiration, etc. Ce sont des t-shirts classiques, mais sur lesquels je mets des motifs en rapport avec le monde du fitness, qui sont souvent d'ailleurs humoristiques. Donc, je vous invite à faire un petit tour en boutique pour vous faire une idée et n'hésitez pas à en commander. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me mettre un j'aime si cela vous a été utile. Si vous avez des questions sur d'autres sports ou que vous voulez me donner des idées d'autres sports à traiter, eh bien n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est très important. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Gardez la forme.